Hey, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Vibe le Noob, aujourd'hui on va parler de cheat. Alors comme vous le savez peut-être, Activision a annoncé un ban massif de 60 000 hackers. Et moi avant cette mesure, j'utilisais un programme qui s'appelle Warzone Compagnon qui me permettait de détecter s'il y avait des cheaters dans le lobby. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez éventuellement le télécharger. Habituellement j'arrivais à traquer la plupart des cheaters, mais avec la nouvelle politique d'Activision, en fait il est maintenant possible pour les joueurs de passer leur compte en privé. Ce qui fait que maintenant les cheaters peuvent impunément tricher en cachant leurs statistiques et du coup le programme ne peut plus les repérer. Et vous allez le voir dans la vidéo, on va en faire les frais. Et il avait beau cacher ses stats, il cachait pas beaucoup son cheat. C'était plutôt apparent, enfin plutôt évident, à part pour un de mes collègues qui a eu un doute, il était un petit peu naïf, tu vois, il s'est dit non, il est legit, le gars il est juste fort. On me l'a fait pas à moi. Il est fort pour payer des cheats, oui il est fort. Avant de vous laisser avec la vidéo de gameplay, comme d'habitude, un petit appel à l'abonnement, au like, au partage, le petit commentaire qui va bien. Je vous embête pas plus avec, hein, hop, tout de suite la vidéo de gameplay. Oh là là là. C'est quoi l'arme que j'avais? Putain, j'avais un sniper, ils sont sérieux quoi. Je suis parti dans le gaz pour ramasser un sniper. Franchement, ça a le skin d'une AR et j'ai un sniper quoi. On prend la prime ou pas? Faut qu'on bouge vite là, le gaz est parti. Qu'est-ce qui tient? Il y a un mec... C'est toi qui a tient une roquette, Vince? Non, c'est pas moi. Il y a un mec qui... Vous avez réussi à reprendre mon sac ou... Là. Mort. Équipe éliminée. Faut bouger. Il y a le gaz. Il y a le largage. Juste à côté. Je sais pas. Ah mais non, c'est en haut. Ouais, j'ai pris une balle. Je sais absolument pas d'où. Il est en face. Ça va en face. D'accord. J'essaie de reculer. Il est là, j'ai pas pu. Il est juste en bas. Non, tout le monde est mort. Il est super bon ou Ouais, il est bon. Non, il est bon, c'est pas qu'il cheat. Ouais, mais il est. Parce qu'en fait, il était caché derrière la caisse. Il avait quand même vachement l'information de là où on était. Hein. En fait, il était caché derrière la caisse, visé sur nous. Il s'est levé, il a mis la tête tout de suite. Hein. Il a peut-être pas d'embot, mais il y a. Faut pas discuter en fait. Le jeu. J'ai quand même la suspicion qu'il a un aimbot le mec, hein. Un wallhack. Hein. Ouais, c'est possible. Il a peut-être pas d'aimbot, mais il a au moins un wallhack. Ou alors c'est le mec le plus. Ah, tu vois, c'est le même. Hein. Moi je. J'émets des gros doutes. Hein. Oh oui. J'émets des gros doutes. On suit le truc à ce moment. Ah bah triche. Ouais, non mais. Attends, mais regarde ce qu'il fait là. Allez, et tu vois perdre la game à cause de ça, ouais. Ça régale quoi. Signalez-le hein, les mecs. Hein. Ouais, ça y est. Oh, mais ça va rien faire. Hein. Tu crois que regarde ce qu'il met là. Ah oui. Et tu me disais il est bon. Ouais, non, mais tu vois, ça paraissait pas absurde, mais là. Moi, quoi, ce qui m'a mis, c'était absurde. Hein. Ce qui m'a mis, genre il était caché derrière une caisse, il s'est levé, et son scope était sur ma tête. Et il m'a, j'ai même pas vu le reflet hein, de l'arme. Hein. J'ai pris la tête tout de suite. Hein. Le mec il fait n'importe quoi. Ah oui, il bouge n'importe comment en plus. C'est pas n'importe quoi, t'inquiète. Il sait juste où sont. Ouais, il sait juste qu'il voit à travers les murs. Ouais. Parce qu'il est même pas excellent, regarde comment il est positionné, comment il. De toute façon, en général, les cheaters sont mauvais. Hein. S'ils étaient bons, ils auraient pas besoin de cheater. Les cheaters sont 100% mauvais, tous. Vraiment, le mec il a fait 10 games et il s'est fait défoncer. Moi je trouve ça abusé parce qu'à partir du moment où t'as des mecs qui te reportent in game, ça devrait te kick. Vous l'enregistrez Ouais, je l'ai là. Ouais. Bah, envoyez la Punkill. Ouais. C'est quoi Punkill? Punkill, c'est un mec qui s'est fait connaître justement en exposant des cheaters. Regarde. Ouais, mais. La DMR, non, mais moi je pense que c'est legit, à mon avis, c'est du skill. Ouais, je pense que c'est du skill. Il a dû s'entraîner, vous. 63, vous rigolez ou quoi? C'est 63 ou DMR ça? Je sais pas trop.
sais pas. Peu importe ce qu'il a de toute façon. Ça c'est du DMR. Il est fort, hein. Franchement. Il est vraiment fort, hein. Il est bon, hein. Je veux dire. Putain. Moi, je me suis dit, quand il m'a mis la tête, je me suis dit, putain, il est fort. Hein. Il a combien de kills? 12 kills, bon, ça va. C'est raisonnable. Sur 40 joueurs, ça va, tu vois. C'est, non, c'est à peine un quart. Allez, la petite tête qui finit le taf. Mais en fait, tu te dis, pourquoi prendre le quart, quoi, finalement? C'est pas une arme. Bah, il pourrait prendre un Dragunov, tu vois. Il a pas tué. Même avec un cheat, il arrive à être mauvais. Hein. Il arrive à pas le tuer. Ouais. Ouais, il arrive à être mauvais. Hein. Mais là, par contre, tu vois du coup que le DMR a vraiment été nerf parce que même en cheatant, le mec a pas réussi à down le. Enfin, à l'avoir. C'est toi qui cheat ou pas? Ils sont combien? 4 kills. Et 1? Non, je pense pas. Mec, hein, donc, ouais, forcément, il va gagner la game quand. Ouais, ils sont en 4v2 là. Jamais ils gagnent les mecs en face. Ouais. Bon, oh non! À travers le mur! Il est claque des balles à travers le mur. C'est... Ouais. Un wallbang. Non mais c'est le Game Sense, vous connaissez pas les gars. Attends, ouais. C'est le Game Sense. La team de ces mecs là, franchement. Ouais. C'est intéressant parce que. Il te dit qu'il n'y a pas de cheater dans cette game quand même, le petit outil là. Le Louis, ouais. Donc ça veut dire que ça bah après c'est peut-être un nouveau compte hein, oui. Tu sais pas hein. Ça se trouve il vient de le créer, il est pas encore comment le mec je sais plus, ouais c'est le mec. Des gros joueurs quoi. Des gros gros joueurs, franchement des gros joueurs quoi. Je me demande à quoi ils ressemblent en vrai ces gens là. Ouais mon logiciel détecte rien mais on a vu tout à l'heure que ça voulait rien dire. Non ça veut rien dire. Après c'est déjà un pré un premier écrémage ouais. On peut jouer créatif, on peut jouer là avec la couronne, c'est pas mal. Faire la thune et prendre l'argent. Ouais. Allez. Battle Royale. Jouons créatif. Créatif. Ou sinon on saute straight to Goulag. On prend le toit d'abord. Ouais, vas-y. Moi je rentre direct. Ok. Ah bah je suis sur le toit moi. Vous êtes pourchassé par une équipe ennemie. Ah oui non, Vince il a pris la... Il s'est pris une prime, moi j'ai le prioritaire. Ouais. T'as quoi comme arme, vas-y. J'ai rien, j'ai le quart, c'est tout. Ça tire prioritaire ici. Prioritaire bientôt terminé. Hmm, on finit bientôt les deux trucs. Oh, oh du pognon. On passe à faux côté. Ouais. Ça tire en bas, ici là. On se prend le largage là, vas-y donne-moi toi-dessus. Ouais. Je passe. Hein. Bon, je reprends le quart, hein, mais... 26 mètres là. Attends, ça a tiré sur moi. À terre ici. Juste au-dessus à 8 mètres, ouais. Ouais. Ils sont deux, hein. Il est en train de le réa, non? Ouais. Sur moi, sur moi, sur moi, contact. Équipe éliminée. Faut qu'on bouge, par contre, après. Ouais. T'as de la thune, je peux prendre. Ah non, t'as pas de thune, c'est pas grave. Il y a des plaques sur le shop là. Il me reste si vous arrivez. Ouais, je te reste. Ah, j'ai eu aucun kill. Y'a des mecs là. Il est sur le toit là, il est juste là. Il est là. Allongé, là on est mort. Attends. Ok. Ah, bon, après, ils sont de l'autre côté du bâtiment, ils sont juste là, j'ai pas de visu. Hein. Ah, voilà. Ils sont putain, les timings de merde que je me mange. De toute façon, vous devez descendre pour, à cause du gaz, les gars. Ah, ouais, faut descendre. Ouais. De toute façon, faut descendre. Aïe 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 aïe. Un mort. Putain. Oh là là. Oh putain. Ah bon, non, 4v3. Ah non, il y a deux équipes encore. On a la zone, baby. On a la zone. Ouais. 17 mètres, t'as un mec ping, pas loin du ping vert. Ça va arriver de tous les côtés là. J'ai 0 arme. Est-ce que quelqu'un peut filer une arme à bed? Bah, j'ai un quart et un. Allez, fais fire. Putain. Ils sont 3 hein. Ouais, un à terre. Deuxième à terre. Deux à terre, les gars. Faut push, hein. Faut push. Hein. Faut push, faut push. 3 à terre, équipe éliminée, voilà!
Ah mais il reste encore des mecs, il y a un mec qui s'est réa. Il y a deux mecs qui sont réa. Vous auriez dû pouffer avec moi les gars. J'ai mis tout le monde par terre et vous êtes parti. Y'a Gint qui avait des armes. Bah mon petit gun vous les finissez hein. Bien joué. GG. Troisième win. Ouais. On va s'arrêter là, ça va. T'as hyper bien joué avec d'avoir été. Ouais, on pouvait pas terminer la soirée sur une note aussi négative. Hein. On s'est dit on allait faire un last et on a bien fait parce qu'on a réussi à claquer un top 1. Pas le meilleur des top 1, mais un top 1 quand même. Et je pense que c'est en faisant ce genre de vidéo, en exposant les cheaters, qu'en fait on fait bouger les choses. Et grâce aux efforts de toute la communauté de Call of Duty, Activision a même promis un anti-cheat les gars. Si c'est pas beau. Après, moi j'attends de voir, hein. Je suis un peu sceptique parce qu'on connaît Activision et on sait que quand il faut lâcher de l'argent, ils sont un peu du genre... Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on n'oublie pas le like, le commentaire, le partage, l'abonnement si c'est pas déjà fait. En route pour le 4e palier des 500 abonnés, je compte sur vous les gars. On se voit sur la prochaine.